Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon votre localisation. Bienvenue à l'émission la seule Casa Moulé. La seule émission, que dis-je, où vous avez la possibilité de dire faux Casa et après de mouler. Aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir une grande, très grande artiste, incomparable, celle-là même qui est la sentinelle de notre musique, la belle Antou Dougo. Mais on se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. Oh, mon fauteuil. Critique. Idiote comme ça, ils aiment pas comment mon fils a fait me la mettre dans la maison. Hypocrisie. Critique. Calomnie. T'as Evil. Elle m'énerve même dans le caca, pas ça quand même. Ça va même pas avec elle. Evidero, bientôt sur TU1. Monsieur de retour, nous le sommes. Vous suivez bel et bien votre émission Casa Moulé. Alors, je le disais tantôt, avant bien sûr la pub, que nous recevrons aujourd'hui une grande artiste. Alors, en tout de WOW. Ah, WOW, WOW, WOW. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, à l'état civil? Bon, moi, je préfère en tout de WOW, c'est mieux comme ça. Mm-hmm. Mais c'est tellement vague, je me dis que l'ensemble de vos fans souhaitent savoir exactement votre nom à l'état civil. C'est pas méchant pour vos fans. Bon, moi, mon nom à l'état civil, c'est Zigbagnon Djeliga Atoboigny Antoinette. D'accord, ok. Non, vous m'avez demandé mon nom. J'ai donné mon nom, vous dites non. Dans la vie, là, qui cherche trouve. Oui, effectivement, qui cherche trouve. Très cher spectateur, téléspectateur, autant pour moi, nous sommes bel et bien avec Antou. Alors, et Antou, vous suivez, de WOW. D'accord, Antou de WOW. Vous suivez Casa Moulé. Et donc, nous entamons la première partie, à savoir la partie Casa. Antou de WOW. Merci. Fort est de constater que vous êtes une artiste friande du malparlage. Que dis-je? En d'autres termes, des termes plus simples, vous avez la langue bien pendue. Comment ça j'ai la langue bien pendue? Attendez, moi je suis pas venu ici me faire insulter. Moi je suis pas venu ici me faire insulter. On va se calmer en tout de WOW. C'est juste une expression française. Sinon, c'est pas méchant. On dit que vous parlez mal, au fait. Ouais. Moi, je ne parle pas mal. Ah bon? Mais j'ai dit la vérité. Non, parce que on a tendance à voir des fans maintenant, nouveaux modèles là. Ils sont là, ils insultent les artistes. Moi là, je frappe. Hein. Moi là, je frappe. La dernière fois, j'étais à un spectacle. Il y a un fan qui a jeté une fleur sur moi. Mais j'ai jeté le micro. Je suis descendu dans la foule. Mais je l'ai frappé. Et je vous dis. Hein. Et puis vous qui êtes sur Internet là, vous insultez les artistes n'importe comment. Là. Je vous dis en même temps. Moi là, ne pensez pas que vous allez vous cacher derrière vos portables. Et puis, je ne vais pas vous retrouver. Moi, je. Demandez à un jeune, ça fait quoi si quand? Il va témoigner. En tout, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Non, il fallait que j'ai dit ça. D'accord. Désolé, c'est ça, au fait, les aléas du direct. Tout ça, c'est pas Casa. Oui, oui. C'est dans Casa, on est. C'est ça. En tout, vous allez vous calmer et faire attention avec le bâtonnet que vous avez. Oui, non, il n'y a pas de problème. C'est le bâton de commandement. D'accord, je suis tout juste à côté de vous. Alors, en tout, de WOW. Alors, comme ça, vous faites du coupé décalé. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui a motivé votre envie de faire du coupé décalé uniquement alors qu'il y a plusieurs genres musicaux? Quand vous-même vous me regardez là, mon style là, si c'est pas dans le coupé décalé, on peut m'accepter là. Qui va m'accepter? Ça c'est style de coupé décalé. Ouais, je vois. D'accord. Alors, en tout, dites-moi, est-ce que dans le milieu du coupé décalé, vous avez déjà des collaborations en vue? Bon, moi, présentement, je suis en studio. Je suis en train de faire un featuring avec Shaolin, la voix des diamants. Donc là, on a fait sortir un single qui s'appelle Coupé Coupé. Donc, on est en studio en ce moment. D'accord. Un featuring. Oui, attendez. Je vous fais écouter même passer, j'ai ça sur moi. Le temps de trouver le son. C'est assez bizarre. Vous commencez votre carrière avec un featuring. Non, on est vraiment tout de suite. On veut écouter. Oui. Coupé décalé, maman. Coupé décalé, y'a pas décalé. Coupé décalé, maman. Oh, never. Coupé décalé, maman. C'est qui ça? Coupé décalé. C'est ça. Mais en tout, je remarque, hein, et je suis sûr aussi que tous ceux qui nous suivent en ce moment remarqueront aussi avec moi, et seront même d'avis, qu'on ne vous a pas entendu, on a plutôt entendu la voix de Shaolin. Mais monsieur, je vous dis featuring là, c'est deux personnes. Oui, mais... Un peut chanter, l'autre peut danser. L'autre peut chanter.
Je vous ai dit qu'on est en studio. Actuellement, c'est la partie de Shaolin qu'on a enregistrée. Pour moi, ils sont en train d'enregistrer. Donc, c'est quoi qui vous étonne? Ok, okay. On aurait bien voulu entendre. J'ai un truc, j'aime pas ça. On aurait bien voulu entendre la vôtre. Mais si vous avez aussi la gentillesse, par exemple, de nous fredonner, le temps qu'on finisse peut-être d'enregistrer ce que vous avez posé déjà au studio, est-ce que vous n'avez pas pour tous vos fans la possibilité de donner un petit. Non, parce que moi-même, j'avais déjà fait sortir mon massif single. Ah, d'accord. Qui est sorti. Mais qui a été boycotté par les artistes coupés du Calais de Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas entendu parler. Oui, c'est ça, ça a été boycotté. Ah bon. Donc, je peux essayer de vous fredonner quelque chose ici. D'accord. Si vous êtes. D'accord, allez-y. En tout de moi. Yeah! Yeah, yeah, yeah! En gênant, tu m'as déposé, mais quelqu'un est venu me ramasser. Tu pensais que quand tu allais me déposer, j'allais traîner dans la rue. En gênant, je t'ai dit. Quelqu'un m'a ramassé, c'est le déposé, ramassé. En gênant, je te dis, parce que toi, tu es un garçon, tu n'as pas honte, tu as affaire. Parce que ça, c'est que si ça n'a pas passé sur Internet, là, ça va passer à la télé. Forcé, tu vas voir. Et te dis en même temps, toi, tu pensais que quand tu allais me laisser moi, c'est-à-dire moi, toilette, j'allais traîner quoi. En gênant, même jour, tu m'as déposé là, quelqu'un m'a ramassé. Tu as compris? Et puis, il faut dire à ta maman, c'est ta maman qui t'a dit de me laisser. Dis à ta maman que on va voir qui va réussir dans la vie. Moi, je te dis ça. En général, la vie, là, ça est dans ma main ici. Aujourd'hui, tu m'as empêché de faire ce que je voulais faire, la musique. Mais aujourd'hui, je chante. En général, aujourd'hui, là, moi, tout, je chante. En tout, calmez-vous, s'il vous plaît. Ah, il fallait qu'elle lui dise ça. Déposer. Merci. Déposer, ramasser. Bravo. Allez, déposer. Déposer, ramasser. Merci, en tout. Merci. Voilà, c'est ça, j'ai fait sortir. Merci. C'est ça. Merci. Alors, en tout, déjà. Salut Angenor, désolé. Tu le salues pourquoi? Tu le connais où? Juste parce qu'il faut être... Tu le connais où et puis tu le salues? Non, ça je n'aime pas ça. Il faut retirer ta parole. Ok. Ça veut dire quoi? Salut tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et vous suivez bien sûr Kassa Moulé, la seule émission où on se dit les Kassa et par la fin on moule. Et nous recevons bien sûr la très en forme artiste chanteuse du coupé décalé, la grande Antou de Wok. Ah ouais, Merci Antou. Moi, je ne suis pas venu dans Showbiz pour faire camaraderie. Voilà, moi, je préfère vous dire ça en même temps. Parce que moi, je ne suis pas dans sentiment. Voilà, moi, je suis là pour tout détruire. C'est la destruction. Donc, je ne suis pas là pour me faire des amis. Voilà. Très bien, très bien. Vous parlez de destruction. Vous avez aussi sur plusieurs vidéos en train de clasher les artistes que je vais citer, notamment, bien sûr, Claire Bailly, Vital, Bamba, Amisara, vos devancières. Alors, on se dit, mais pourquoi? Why this... Bref, pourquoi? J'ai dit, moi je n'ai pas clashé quelqu'un. Moi je suis une artiste qui dit la vérité. Voilà, moi je ne suis pas les artistes qui font croire des choses aux fans, qui se cachent après, c'est de l'hypocrisie. Moi je ne suis pas une hypocrite. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, Claire Bailly, elle a vu dedans, elle s'est retirée, elle a bien fait. Mais je vous dis, aux autres là, les Vital, les compagnies, ça va. C'est le moment pour vous de vous échapper, hein, parce que moi je ne suis pas venue pour m'amuser. C'est ça. Voilà. En tout, calmez-vous. Et bien d'autres, hein. En tout, calmez-vous avec le bâton, s'il vous plaît. Oui. Merci. Très bien. Alors, Rocky Gold, est-ce que vous connaissez? Oui, je la connais. Je la connais, mais moi, vraiment, elle ne m'intéresse pas parce que Rocky Gold, c'est une artiste. Elle chante mieux que moi. Donc, moi, les artistes qui chantent mieux que moi, moi, je ne collabore pas avec. Voilà, parce que on est venu dans le milieu, c'est pour se faire voir. Donc, si quelqu'un veut m'éteindre, moi, je ne marche pas avec elle. Voilà. Très bien. Ok. Alors, en tout de quoi, on se pose la question suivante. Avec un tel tempérament, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Bon, moi...